en union avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras santébro, sagadabro, liketetebro, santa kadada, likarama souralani, liramama solebro, chante, guide de dedo, santé kebro. La rama suta de côté la gauche à la rama de salade. Quelle est la chance à la rima mama contre la balle de soleil. Vino robo de fée, rama chavale. L'équité de mon psyché tabla l'homme la masse. Soutenir la mission de Abba Achia Bakomari, vous voulez prendre part aux travaux à Chialand. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant.
puissant, Dieu tout puissant. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. C'est désormais possible via World Remit. Envoyez vos contributions sur le numéro de compte bancaire qui s'affiche sur vos écrans. Dieu tout-puissant, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. C'est pourquoi nous chantons, nous disons, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. C'est pourquoi nous chantons, nous disons, à Dieu soit la gloire. Béni soit son nom, alléluia, à Dieu soit la gloire.
Celui que nous adorons est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est Dieu. Il est le vrai Dieu. Tu es le même hier et aujourd'hui, éternel Dieu. Tu ne changes pas. Tu es le même hier et aujourd'hui, éternel Dieu. Tu ne changes pas. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore et encore et encore, éternel Dieu. Tu ne changes pas. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore et encore et encore, éternel Dieu. Tu ne changes pas. Tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es Dieu, tu es le vrai Dieu. Tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es Dieu, tu es le vrai Dieu. Tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es Dieu. Envoyez vos dons et offrandes sur ce compte DT Bank, Betsael International, CI 16 30 12 02 00 00 00 00 00 00 19 08 91 75. Abba Ashiapa Kombari intercédera pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Ce jour est un jour de bénédiction. Ce jour est un jour de grâce. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui ont commencé déjà à partager au maximum, pour amener plusieurs à être gagnés en ce jour, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'heure où nous voulons devancer l'aurore. C'est l'heure où nous voulons faire précéder notre journée de déclarations prophétiques et de prières d'autorité. Je bénis Dieu pour chacune de vos vies. Et je vais introduire ce temps par une parole, une déclaration qu'un jour, notre père Abba Ashiapa Kombari a eu à faire. Il dit, il est impossible pour nous
de changer notre passé. Peut-être que ton passé a été mauvais, misérable, infructueux, mais ton avenir, tu as la possibilité de le changer par ta décision, par tes déclarations et par ton attitude vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut amener ton avenir à être sous le contrôle de tes déclarations, à être sous le contrôle de tes désirs. Amen. C'est pourquoi tu vas faire avec moi le signe pour dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, je veux t'inviter à partager au maximum. Vous tous qui nous suivez, qui êtes en Belgique, en France, je vous invite à partager au maximum, partager. Comme vous savez le faire, partager pour amener plusieurs personnes à être touchées en ce jour. Vous qui êtes en Suisse, partagez. Je salue tous ceux qui sont connectés depuis la Suède. Je bénis Dieu pour chacune de vos vies. Je vous invite à partager au maximum, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez pour toucher plusieurs, pour que Christ soit glorifié dans les nations. Amen. Bien-aimés, ce matin, il est important pour entrer dans ce glorieux temps de prière, d'assainir notre environnement. C'est pourquoi tu vas prendre ton eau bénite, ton eau prophétique, et si tu es dans un véhicule ou si tu es encore couché sur ton lit, tu vas asperger les quatre points cardinaux du lieu où tu es pour demander à la main puissante de Dieu d'assainir ton environnement spirituel, afin que tout esprit impur, tout esprit qui n'est pas de Dieu, soit lié et chassé de ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit que lorsque Moïse a fait sa rencontre glorieuse dans le buisson ardent, dans Exode 3, verset 5, Dieu lui a dit d'ôter ses sandales, parce que le lieu où il était, était un lieu sanctifié. Bien-aimé, lorsque l'ange Michaël également s'est révélé à Josué dans Josué 5, verset 15, Dieu lui a dit également la même parole. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, « Oh Dieu, j'invoque ton autorité en ce lieu pour commencer ma prière. Je prie que tu le sanctifies, tu le purifies et tu l'assujettis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Bien-aimé, tu vas prendre le sel également afin de détruire toute influence mauvaise qui est dans le lieu où tu te tiens. Tu vas faire comme je le fais dans les quatre endroits prophétiques du lieu où tu te tiens. Tu vas assainir le lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, maintenant que tu as fait cette prière, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour toutes ses bontés dans ta vie. Oh Dieu, je bénis ton nom ce matin pour l'immensité de ta grâce, pour l'immensité de ta bonté. Je te rends tout l'honneur et toute la gloire pour ce que tu as gardé ma nuit. Bien-aimé, tu vas faire avec moi le signe de la croix en disant gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Bien-aimé, ce matin, tu vas demander pour ce glorieux temps de prière l'intercession de la Sainte Famille et de ton ange gardien. Et tu fais cette prière avec moi. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Bien-aimé, tu as fait cette prière. Tu vas demander également le recours de ton ange gardien en faisant cette prière avec moi. Ô Saint-Michel, et à tous les saints, et à tous les saints patrons et aux saints qui parrainent ce lieu, cette ville dans laquelle je suis, cette résidence dans laquelle je vis, à tous les saints dont on fête la mémoire en ce jour, je vous demande votre assistance
Je demande votre présence et votre intercession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimé, de là où tu te tiens, tu vas t'asseoir et en faisant le signe de croix avec moi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, tu vas également t'adresser à la Sainte Famille et à ton ange gardien en disant cette prière avec moi. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Bien-aimé, tu vas parler à ton ange gardien tout au cours de cette nuit. C'est lui qui a veillé sur ton âme. C'est lui qui a travaillé contre les forces occultes, contre les traits enflammés de l'ennemi. Et tu fais cette prière. Saint Michel et à tous les saints, et à tous nos saints patrons, au sein de la paroisse dans laquelle je suis et de la ville dans laquelle je me tiens, et à tous les saints dont les églises font mémoire en ce jour, je vous invite à nous assister dans tous nos besoins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prendre ton eau bénite et cette fois-ci, tu vas t'asperger et tu vas faire cette prière avec moi. Mon Dieu, par cette eau prophétique et par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, mon Sauveur, fais-moi miséricorde. Fais-moi également miséricorde dans tous les domaines de ma vie et à l'endroit de mes parents, particulièrement à l'endroit de toutes les âmes du purgatoire. Amen. Bien-aimé, si tu peux, tu vas te mettre à genoux de là où tu es et tu vas faire cette prière d'action de grâce avec moi. Mon Dieu, je t'adore. Je te reconnais comme mon Créateur et mon souverain Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur de m'avoir gardé cette nuit. Je t'offre mon repos, mon âme et toutes mes actions. Et je t'offre les actions de cette journée. Accorde-moi la grâce que mes actions soient unies aux actions de Jésus-Christ et consacrées à ta gloire. Ce matin, je désire poser toutes mes actions selon tes sentiments et tes volontés. Je demande la grâce de vivre cette journée dans une plus grande sainteté que les journées passées. Et si je dois t'offenser, ô Dieu, volontairement, corrige-moi, Seigneur. Sainte Vierge Marie, toi ma mère, obtiens-moi la grâce de vivre une journée de sainteté et donne-moi ta sainte bénédiction. Saint Joseph, toi mon Père et le protecteur de mon âme, protège-moi. Mon ange gardien, Saint Michel, mes saints patrons et patronnes, et vous tous, saints et saintes, dont toutes les églises catholiques, orthodoxes et romaines célèbrent aujourd'hui la mémoire, secourez-moi dans tous mes besoins et priez pour moi, afin que Dieu me garde de toute mort subite, de tout accident, de toute noyade, de tout feu et de tout péril, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, certainement que ta nuit a été troublée par des rêves ou des visitations. Ce matin, tu as encore la possibilité de ramener les choses devant l'ordre divin. Job 33, versets 15 à 16, il dit, « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. » Bien-aimé, Dieu dit qu'il donne des avertissements par les songes. Peut-être que tu as vécu un combat spirituel. Dieu t'a révélé ces choses. Ce matin, nous allons prier pour annuler l'implication et l'influence de ces songes, de ces rêves démoniaques sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et prie avec moi. Ô Dieu, Dieu de ma louange, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, toute attaque, toute influence
de l'ennemi contre ma vie. Révélé par ce rêve, j'ordonne, je commande que son influence soit annulée sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, Dieu de ma louange, par le feu du Saint-Esprit, que tout songe qui m'a été révélé pour m'avertir d'une situation à venir, j'annule cette situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce matin, Dieu nous a donné la grâce d'être en éveil. Il nous a donné la grâce de nous connecter pour vivre ce moment de prière. Mais parfois, dans notre communion avec lui, dans notre marche, nous avons été indignes. Nous avons péché contre Dieu. La nuit même, peut-être que des pensées mauvaises nous ont animés. Ce matin, tu vas implorer sa miséricorde. Acte 3, verset 19, la Bible dit « Changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. » Bien-aimés, changez votre vie et revenez vers Dieu. Tu vas prier avec moi. Ô Dieu, ce matin, je viens à toi implorant ta miséricorde. Je t'ai offensé par mes pensées, par mon regard, par mes critiques, par mes attitudes. Je viens vers toi implorant ta miséricorde parce que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je reconnais mon indignité parce que je t'ai offensé. Ô Dieu, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Pitié et miséricorde. Seigneur, si tu me tiens coupable de mes actes, qui m'accordera sa miséricorde? Ce matin, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Amen, amen, amen. Bien-aimé, confiant de la miséricorde de Dieu, confiant de l'amour de Dieu pour nous, nous allons entrer dans ce temps de prière. Nous allons demander à Dieu de changer les choses, les circonstances de notre existence. Comme je l'ai dit en début, le passé, il est passé. Mais l'avenir, tu as un mot à dire pour conformer l'avenir aux promesses de Dieu te concernant. Nous allons prier pour tous ceux qui sont à la quête d'une âme sœur, qui veulent se marier et ou qui vivent dans une situation informelle. Ésaïe 62, verset 4 nous dit « On ne nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. » Bien-aimé, quelle promesse que Dieu nous donne. Tu vas prier avec moi. Ô Dieu, ce matin, que tous les lieux de ma vie qui vivent la sécheresse, la désolation, particulièrement dans ma vie de célibataire, je déclare que cette promesse s'attache à ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu te promet la restauration. Il promet de te combler pleinement. C'est pourquoi prie encore avec moi. Ô Dieu! Toi qui entends ma prière, je crie à toi ce matin. Tu as promis pour moi la fin du célibat. J'accueille cette promesse du tout fond de mon cœur et je déclare que tous les obstacles, les échecs dans mes rencontres, qu'elles soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les temps sont arrivés pour une rencontre décisive. Je déclare que les temps soit arrivé pour que j'entre dans le mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce matin, tu vas encore prier. Pour toi qui es en couple, pour toi qui es déjà marié, qui vit beaucoup de difficultés, la Bible dit dans le livre de Corinthiens, l'amour couvre tout. Il souffre en Dieu et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout supporter. Bien-aimé, l'amour,
comme Dieu l'a manifesté pour nous, il est allé au-delà de la souffrance, au-delà des jugements, au-delà de tout ce qui peut paraître logique dans notre décision. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier afin que tout esprit qui est attaché à cette situation de trouble dans ton couple, que cet esprit soit lié et chassé au nom de Jésus-Christ. Fais cette prière avec moi. Ô Dieu, Dieu de ma victoire, c'est toi qui m'as introduit dans ce mariage, dans cette relation. Je prie ce matin que toute confrérie, toute œuvre de famille qui veut perturber mon mariage par des disputes, par des incompréhensions, par des troubles, que cet esprit soit frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, que toute œuvre de l'ennemi, toute œuvre extérieure qui s'infiltre dans mon couple pour le troubler, qu'il soit lié et chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'œuvre des ténèbres, que l'œuvre de l'enfer contre mon couple soit plongée dans le sang et que son pouvoir soit détruit à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin l'unité dans mon couple. Je déclare ce matin une cohésion renforcée. Je déclare que désormais l'amour de Dieu prend pleinement sa place dans ma vie. Je déclare que désormais Dieu se met au cœur de notre relation. Bien-aimé, prie, fais cette déclaration. Demande à Dieu en ce moment de prendre le contrôle. La présence de Dieu comme un pilier dans ta famille va toujours apaiser les tensions et vous donner d'être en communion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, peut-être que le problème dans ton couple est lié au fait que tu n'arrives pas à enfanter. Bien-aimé, aucune femme stérile dans la Bible n'a demeuré dans son statut. Aucune. C'est pourquoi Genèse 30, verset 22, la Bible dit, « Dieu se souvient de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Il en a fait de même pour Anne. Il va en faire de même pour toi. » C'est pourquoi prie avec moi ce matin. « Ô Dieu, je viens vers toi. Le cœur plein d'espoir. Exauce-moi comme tu l'as fait pour Rachel. Exauce-moi comme tu l'as fait pour Anne. Souviens-toi de tes promesses me concernant et fais-moi la grâce d'entrer dans la fécondité divine. Ô Dieu, par le feu du Saint-Esprit, que toute chaîne de stérilité dans ma vie soit brisée, que toute incantation démoniaque soit foudroyée par le feu, tout obstacle à mon enfantement qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'envoie la confusion dans le camp de mes ennemis. J'envoie la confusion dans le camp de tous ceux qui complotent pour que je demeure stérile, que la main de Dieu les foudroie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, déclare qu'à compter de cet instant, quelque chose de nouveau prend forme en toi. La fécondité s'installe en toi. La grâce de l'enfantement s'installe en toi. Déclare que les jours qui viennent sont des jours de joie. Déclare que la joie de Dieu naît en toi et fait féconder tes entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vous qui êtes connectés, partagez au maximum pour emmener tout un chacun à bénéficier de la grâce des déclarations que nous sommes en train de faire ce matin. Bien-aimés, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 6, la Bible dit « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Bien-aimé, toi qui es dans le chômage, cette parole est pour toi. Dieu veut que tu travailles afin que les fruits de tes mains soient agréables devant sa face. Tu vas prier avec moi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, ce matin, lève-toi dans ma vie et change ma situation. Ouvre les écluses des cieux et favorise-moi afin que j'obtienne du travail. Précède-moi par ton sang et détruis tous les obstacles démoniaques qui sont mis sur mon chemin. Toutes les mains obscures qui travaillent dans le monde invisible contre moi, que ce matin, qu'ils soient frappés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, par la puissance de ton esprit, je chasse de ma vie tout esprit d'échec, tout esprit de non-accomplissement, tout esprit de pauvreté qui est attaché à ma situation. Je les lis et je les chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que les portes du travail me sont offertes. Je déclare ce matin que les portes du travail me sont offertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimé, pour toi qui travailles déjà, qui attends un déblocage, qui attend une élévation, qui attend une promotion, la Bible dit dans le psaume 75, versets 6 à 7, une parole. Car la promotion ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud, mais Dieu est le juge. Il en a abattu un et en a établi un autre. Bien-aimé, ton élévation vient de Dieu. Et si tu as foi en cette parole, tu vas prier avec moi et Dieu va te propulser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Ô Dieu, je prie que ta faveur se déploie sur ma vie en ce matin. Que ta faveur se déploie dans mon travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette promotion, que je la reçoive maintenant au nom de Jésus. Que l'ange de l'élévation se mette en mouvement pour faire accomplir cette promotion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu est celui qui élève. Dieu est celui qui rabaisse. Tu vas encore prier avec moi. Pour toutes les situations que tu vis, tes affaires sont bloquées. Tu ne comprends rien. La Bible dit dans le livre de Josué 1, au verset 8, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre, de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tu réussiras. » Bien-aimé, le plan de Dieu, le projet de Dieu pour nous, c'est de nous faire fructifier, c'est de faire évoluer nos affaires et de nous rendre prospères. C'est pourquoi ce matin, si tu vis des obstacles dans tes affaires, si les choses ne bougent pas, tu vas prier avec moi. Ô Dieu, ce matin, tu as donné cette parole. Tu as voulu que nous soyons féconds dans toutes les circonstances de notre vie. Je prie ce matin que tout obstacle à ma prospérité, tout obstacle à mon élévation, qu'elle soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que la bénédiction soit exécutoire dans mes affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que la bénédiction soit exécutoire dans mon commerce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que la bénédiction soit exécutoire dans tous les domaines de ma vie et que je donne le meilleur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons encore prier pour les finances. Nous allons demander à Dieu de débloquer toutes nos finances. Cette situation de crise doit être un tremplin pour Dieu pour te positionner. C'est pourquoi Philippiens 4, verset 19, la Bible dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ de Nazareth. » Bien-aimé, si les richesses que nous détenons viennent de Dieu, celui à qui l'or et l'argent appartiennent, nous ne devons pas être inquiets. Cette situation de crise mondiale ne doit avoir aucune influence sur nos finances. C'est pourquoi prie avec moi. Ô Dieu, comme pour ton serviteur Job, soulage ma vie, soulage ma vie. Multiplie mes biens, multiplie mes finances, multiplie mon bétail, multiplie mes affaires. Par le sang de Jésus, j'inonde mes mains pour annuler toute œuvre, tout programme de phénomène de mains percées. Par le sang de l'agneau, je détruis leur influence dans ma vie. Et je déclare que mes mains sont bénites. Mes mains sont bénites pour recevoir des mains de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu nous accorde sa prospérité. C'est pourquoi tu vas déclarer avec moi. Je déclare ce matin que Dieu me prospère. Je déclare ce matin que comme il a fait pour Abraham, comme il a fait pour Job, il le fait pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, pour toi qui avais un projet de voyage, cette situation a peut-être anéanti tes rêves. Tu vas prier avec moi. Genèse 24, verset 40. Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Bien-aimé, c'est Dieu qui prendra ta main par le canal d'un ange pour te conduire là où il t'a prédestiné. Le monde est sous sa domination. Tout lieu où toi, enfant de Dieu, tu veux aller,
Dieu te donne la possibilité d'y aller. Si le monde spirituel s'oppose à toi, prie avec moi. Ô Dieu, que tout esprit de sorcellerie, toute œuvre des ténèbres, tout homme fort qui est assis sur mon projet de voyage, qui profite de cette situation pour que les situations deviennent difficiles et que ce projet soit avorté, j'ordonne que le feu de Dieu le foudroie. J'ordonne que la main de Dieu le frappe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mandate ce matin Michel et les autres archanges afin qu'ils combattent pour que mon projet de voyage se réalise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que l'ange de l'Éternel me garde dès maintenant pour ce projet de voyage pour mes affaires, pour ce projet de voyage pour ma destinée. Dieu me garde et m'ouvre les portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas déclarer avec moi ce matin, Dieu m'ouvre toutes les portes des nations, tout lieu où mon pied a besoin de fouler pour que ma destinée change. Dieu m'ouvre les portes de ces nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je voyagerai. Je déclare que cette situation rendra les choses possibles pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'aucune frontière des nations me sera fermée. Je déclare que je voyagerai de gauche comme de droite, du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, nous allons encore prier. Tu vas demander à Dieu de débloquer toute situation qui jusqu'aujourd'hui est présentée pour toi comme une situation impossible. Dieu a la possibilité de changer les choses. Le psaume 57, verset 3 dit « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Bien-aimé, toi qui attends un document administratif, toi qui attends un papier qui tarde, qui a la possibilité de changer quelque chose dans ta vie, tu vas prier avec moi. S'il y a un homme fort qui est assis sur cet obstacle, tu vas le déloger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Lève la main en signe d'autorité et prie avec moi. Ô Dieu, par l'autorité de ton nom, j'ordonne et je commande à tout pouvoir de famille, à tout homme fort qui combat l'obtention de ces documents, qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, que ta main puissante se lève contre mes ennemis visibles et invisibles et qu'ils soient foudroyés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout échec, toute situation qui bloque l'obtention de ces documents est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin l'obtention de tous mes documents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui attends un ACD, déclare que tu l'obtiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui attends un visa, cette situation est peut-être trouble. Déclare que j'obtiens mon visa au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui attends peut-être un permis de construire, déclare que j'obtiens mon permis de construire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas prier pour demander à Dieu de changer les situations de ta vie. 2 Samuel chapitre 22 à 18, la Bible dit « Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Bien-aimé, si jusqu'à cette heure, tes ennemis ont eu de l'ascension sur toi, ce matin, par ta prière, tu vas arrêter leur action au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je lève ton nom, tel le marteau de Jérémie, et je brise les verrous des prisons de péché. Je ligote tout vieil homme qui me tient enchaîné au vice et au caractère héréditaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu de Dieu, je disperse toute ténèbre qui avait emprisonné ma destinée et je commande à toute main obscure de relâcher ma destinée, de relâcher ma prospérité, de relâcher ma santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, déclare que désormais ton partage c'est la délivrance. Déclare que désormais aucune influence des forces occultes n'aura un effet sur ta vie parce que tu es enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous allons encore prier. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont alités, le psaume 41 verset 3 nous dit «
L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Bien-aimé, Dieu te soutient. Dieu aussi veut te soulager, mais Dieu veut aussi te guérir et te faire sortir de cette prison spirituelle qu'est la maladie. C'est pourquoi prie avec moi. Par le nom puissant de Dieu, Dieu qui guérit, El Rapha, que toute empreinte génétique, toute maladie qui se développe dans ma vie, qui tire sa source des liens de famille, j'ordonne et je commande que par le sang de Jésus, cette maladie soit liée et chassée de ma vie. Toute maladie qui n'a pas de solution humaine, parce qu'elle a une source spirituelle, je brise son pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que l'archange Raphaël opère maintenant pour que j'expérimente une guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame désormais que les rayons du soleil qui se lèvent fassent jour pour moi avec une santé renouvelée. Je déclare que le ciel qui s'ouvre ce matin, le jour qui se lève ce matin, se lève avec une santé nouvelle pour moi. Je déclare ce matin que je suis guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que la maladie n'a plus de pouvoir dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu as prié pour la guérison. Et je suis convaincu que Dieu t'a rejoint ce matin pour t'emmener à expérimenter quelque chose de particulier. Alors, frères et sœurs, nous sommes au thème de notre prière de ce matin. Tu as prié avec moi, tu as laissé ta foi conduire ces paroles. Dieu est sur le point de changer quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, je veux également vous inviter à ne pas oublier d'apporter vos dons pour le rendez-vous que nous aurons à la Maca à la fin de ce mois de mai, où nous aurons à aller encore porter le soutien de Dieu et tendre la main de Dieu dans cette prison ici à Abidjan. Que vos dons, que vos moyens financiers, vos gestes à l'endroit de ces personnes soient un écho favorable et un écho favorable devant Dieu, afin qu'il vous retourne ce que vous aurez semé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je veux clore ce temps de prière en te laissant une seule parole. Élie était un homme de prière et ses prières ont amené des tout petits nuages à devenir des orages. Ce matin, tu as prié avec moi. Si tu continues de te connecter, si tu continues de faire ces prières chez toi, à la maison, je suis convaincu que cette situation que tu attends va se débloquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la grâce de Dieu demeure sur votre vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange.
en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras sans tes bros, sagadablo, likete tes bros, santa kadada, likarama soura la vie, liramama sole brocha, guide de nos santé que bro, la rama souta de côté la doshada, la rama salade, que de l'œil sans la base. Rima mama va contre la bade soule, vino robo sete, rama chabale, le kete de moussi que tabla l'onde la masoura, rikata ma fonte de moussi, rama utara, rikata de la mamoussi, rile de moussi, rama mama goutte de moussi, sakata blalo, rebe bebe consale, rima mama ushala, robo robo sete, rikata mwa rama sole, rakata goutte de moussi, rebe fonte consale, Yahweh, Yahweh, oh. Yahweh, Roshanabosh, Idirabanosh, Lererosh, Harabanosh.